et rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est parfois des sujets qui ne sont pas très abordés, donc on voulait faire une orientation un peu plus technique que d'habitude, tout en essayant de rester le plus compréhensible possible. Donc merci à tous d'être là. Il reste quelques places assises ici dans les premiers rangs, donc pour ceux qui sont derrière, n'hésitez pas, c'est 2-3, mais je précise quand même pour ceux qui le souhaiteraient. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et c'est vrai qu'on avait prévu un taux de non-présence plus important, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais effectivement il y a un peu de personnes debout, désolé pour ça. On va commencer donc tout de suite, déjà par remercier Consensys qui nous accueille ici, donc c'est toujours très sympathique, ils nous payent aussi les bières, donc c'est très bien, il y aura à manger aussi, payé par les assos. Et puis, pour rentrer un peu dans le sujet, on va d'abord se présenter. Et après ça, chaque association a préparé une petite présentation sur un sujet qui leur tient à cœur. Entrons directement dans le sujet avec le cercle du coin qui va se présenter. Donc, Annie. Tu veux faire une petite liste de ce qu'il a dit ? Ah oui. Le programme, j'ai dit, pour un association, revue des innovations protocolaires et technologiques, donc parallèle à la bataille du cercle du coin, le futur d'Ethereum de 1x à 2.0, par Jérôme de Tichet, donc de la SET. Je vais vous parler des concepts marketing blockchain, donc on va parler security token offering, initial exchange offering, log drop, etc., etc. Et on va un peu essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Et puis, on va finir par une présentation sur Lightning Network, le mot-clé à la mode de l'univers Bitcoin. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que ça va révolutionner? Par Julien Guiton, de l'association CryptoFR. Et voilà, sans plus attendre, donc le cercle du coin. Donc, bonjour à tous, Habit à Calabata, donc je suis président du cercle du coin. Pour présenter rapidement l'asso, elle a été fondée fin 2015, donc c'est une des plus vieilles asso sur le thème en France, du moins, et francophone. Donc l'asso, elle est transcrypto, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Même si, bien sûr, à l'origine, c'est plus des bitcoiners qui l'ont fait, elle est tout de même transcrypto depuis ses débuts. Transmétier dans le sens où il y a vraiment des gens de tout horizon. Ça va du chercheur à l'entrepreneur, à l'étudiant, enfin, il n'y a vraiment pas de limite. Et après, elle est bien sûr transfrontière dans le sens où on a choisi la francophonie depuis le début, et d'ailleurs, on est sur quasiment tous les pays francophones. Parce que c'est avant tout la langue qui nous lie maintenant, et désormais les frontières ont un peu moins de sens, surtout quand on traite du sujet des cryptos. Donc nous, avant tout, ce qu'on fait, c'est des soutiens à tout ce qui peut être action, initiative en faveur de tous ces sujets. Après, on est aussi un cercle de réflexion, on aime produire du contenu, réfléchir, créer des événements physiques, et le but est également de développer un réseau fort d'acteurs qui puissent être identifiables à la fois par les médias et les institutionnels. Donc on est actuellement plus de 121 membres au jour J, et j'espère que ça vous donnera une bonne image de l'association, et on est très contents ce soir de pouvoir du coup faire un événement inter-asso. La 7. Oui, alors la 7, c'est une association qui a été fondée en début 2016, de la constatation qu'il y avait pas mal de gens dans l'écosystème français qui voulaient parler d'Ethereum. Et en même temps, Simon avait fondé Ethereum France, donc c'était l'occasion de créer une branche associative qui gère un peu tout ça. Aujourd'hui, on a un peu plus de 400 membres et on fait la promotion de la blockchain et plus précisément d'Ethereum, principalement en France. Alors, on invite beaucoup de gens qui travaillent sur d'autres protocoles pour confronter les idées et discuter des différentes évolutions dans chacun des protocoles et comment on peut apprendre les uns des autres. On organise une conférence qui s'appelle ETHCC, qui est destinée à la communauté, donc c'est très peu cher d'y aller, 240 euros et gratuit si vous êtes étudiant ou chercheur. Et on rassemble plus de 1000 personnes chaque année avec des gens vraiment de tous les pays pour parler d'Ethereum et de la blockchain en général. Et j'en profite pour signaler que dans notre démarche de promotion d'Ethereum et de la blockchain auprès d'étudiants et de chercheurs, on a créé un prix qui s'appelle le Calico Asset Prize for Research in Crypto Economics et qui sera remis dans la conférence Tokenomics 2019, qui est une conférence de recherche organisée par Paris Sciences Lettres, Polytechnique et c'est tout.
donc à l'ENS en mai. Et on participe aussi à la conférence Marble 2019, qui est organisée par Imperial College à Londres, et qui, pour laquelle on fera aussi un petit prix de recherche pour des papiers de recherche qui sont produits dans, cette, dans ce secteur. Voilà. Alors la chaîne Tech, donc c'est une association qui a été fondée en 2016 avec plutôt pour objectif de représenter les acteurs professionnels de la blockchain auprès de toutes les personnes à qui on aurait besoin d'être représenté, Donc ça, c'est essentiellement les personnes publiques, les grandes entreprises et l'État. Donc on participe depuis 2016 à la diffusion de l'information autour des protocoles avec un peu de focus technique, on essaye en tout cas. Et on a un gros focus juridique, parce qu'il y a eu énormément d'initiatives en France sur le sujet, et on avait la chance d'avoir énormément d'avocats et de personnes compétentes dans l'association, donc on s'est assez naturellement focalisé sur ce type de sujet. Et de façon générale, donc on représente les intérêts du secteur. On a à peu près 350 membres à jour de cotisation. La dernière campagne a été fructueuse. Et soit une soixantaine d'entreprises représentées donc, en France et dans d'autres pays francophones. Là, il y a un petit résumé, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des principaux documents qu'on a produits et communiqués aux différentes institutions publiques. Donc il y a la DG du Trésor, l'AMF, on a été consulté sur la loi de finances. Et on a essayé d'influencer aussi la loi Pacte pour que les obligations correspondent en tout cas aux besoins du secteur. Voilà. Bon, pour finir, donc Asso Crypto.fr, paradoxalement, c'est l'asso la plus jeune qui a été fondée fin 2018, tout en étant issue d'une communauté qui a été créée en 2014. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on a créé l'asso Crypto.fr ? C'est qu'on a remarqué qu'il y avait un besoin qui s'est fait de plus en plus naissant, qui est le besoin d'accompagner les utilisateurs de crypto-monnaies, soit par l'information, par l'éducation, et en fait surtout pour la défense. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait avoir, qui ont cru investir dans les crypto-monnaies, mais qui ont investi dans des arnaques, etc., qui sont arrivés sur le forum Crypto.fr. Et petit à petit, on a commencé à consolider diverses actions pour justement se battre contre ces arnaques-là. Donc les premières actions qu'on a réalisées, c'est justement c'est accompagner les consommateurs pour les arnaques crypto. Donc pour cela, on a actuellement déjà un partenariat avec ADC France, qui est une association de défense des consommateurs qui est basée en Lorraine et qui existe depuis des années. Et qui a quasiment 1000, je crois qu'ils ont, alors, ils ont 400 personnes qui ont été victimes des arnaques aux faux échanges qui sont suivies actuellement, et ils ont près de 1000 personnes de suivi sur ce type d'arnaque-là. Et on a aussi communiqué justement pour dire à la fois qu'est-ce que c'est vraiment les cryptos et quelles sont ces arnaques-là, donc dans 60 millions de consommateurs en janvier et dans Que choisir en juin. Et une des prochaines choses qu'on va faire, c'est une enquête sur les relations utilisateurs crypto-banque. Donc l'objectif, ce sera dans les semaines à venir, on fera parvenir un formulaire pour que vous disiez quels ont été vos problèmes, et peut-être que pour certains, il n'y a pas eu de problème, avec les banques pour avoir une vision un peu à relater dans les journaux sur qu'est-ce qui se passe entre les banques et les cryptos. Et les utilisateurs crypto en France. Bon, merci à tous. Et du coup, on va commencer maintenant la première présentation de Ali. Je te laisse la parole. Alors, tout d'abord, je vais refaire un petit point sur ce que j'ai mis en bas, c'est-à-dire que ça n'engage que moi dans le sens où, au cercle, on considère qu'il y a une telle pluralité d'avis qu'on ne peut pas avoir un seul avis porté par un porte-parole, quand bien même je serai président du cercle. Et donc, je vais vous parler, moi, aujourd'hui, je vais faire une petite revue d'innovation protocolaire et technologique. Et finalement, en faisant cette revue-là,
vu que la conf devait durer que 15 minutes, je me suis dit, j'ai plutôt essayé de mettre en avant une idée. Et cette idée-là, c'est que la recherche prend une place de plus en plus importante dans l'écosystème des cryptos. Donc, finalement, Bitcoin et la recherche, c'est très lié depuis le départ. C'est-à-dire que les premières tentatives, elles viennent de chercheurs, de tous cryptographes, quasiment. Et on voit même avec le white paper de Bitcoin, de Satoshi Nakamoto, qui fait appel à des références universitaires ou académiques. Donc on a vraiment eu un ancrage académique très fort des crypto-monnaies depuis le départ. Mais au fur et à mesure de l'implémentation, finalement, après 30 ans de recherche, on va dire, théorique sur le sujet, 20-30 ans de personnes qui essayaient de faire des monnaies numériques décentralisées sans banque, finalement, quand Bitcoin a commencé à être implémenté, cet aspect académique a un peu disparu. Et c'est une très très vieille scission, parce qu'elle date des années 70, la scission entre l'ingénierie et le monde de la recherche. Et là, finalement, on est peut-être en train de la retrouver avec les cryptos. Donc finalement, très rapidement arrivent différents forks, comme vous le savez, différents nouveaux protocoles qui vont être des reprises finalement de ce que fait Bitcoin avec d'autres fonctionnalités, d'autres logiques. Par exemple, on a Peercoin en 2012 qui va amener le proof of stake, on a Ethereum qui va amener la logique de contrat autonome et de réelle exécution de code libre par un protocole à blockchain. Donc petit à petit, on a des améliorations, mais qui sont plus de l'ordre d'amélioration logicielle que d'amélioration de recherche. Quand bien même plein de personnes cherchent sur ces sujets, mais ce sont souvent des développeurs plus que des chercheurs. Et de nombreux autres protocoles changent voilà, d'autres variables, toujours dans le désir d'améliorer les protocoles et d'avoir le plus de fonctionnalités possibles, ou du moins de faire des choix technologiques qui pourront convaincre le plus grand nombre et servir au mieux. Mais on garde, ce qui est intéressant, c'est qu'on garde toujours un petit reste de l'aspect recherche des débuts avec Satoshi Nakamoto, car quasiment toutes les crypto-monnaies publient un white paper, ce qui n'est finalement pas forcément une habitude pour une start-up ou du développement logiciel, de d'abord publier quelque chose de, enfin, faire quelque chose de public qui va décrire exactement ce qu'on va faire technologiquement. Donc finalement, le développement des protocoles, au départ et pendant longtemps, avec Bitcoin et les autres crypto-monnaies, il suit avant tout une logique expérimentale. Ça veut dire que ça serait comme un jeu vidéo d'Aim Retry, on essaie, on voit si ça marche, on essaie autre chose, on voit si ça marche, etc. etc. Ce qui peut être une démarche dans un labo, mais ce qui est rarement le cas en technologie, où finalement, dans les startups, ce sont les développeurs qui font le monde et non les chercheurs, même s'il y a aussi là de plus en plus de ponts, notamment dans les grandes boîtes de la Silicon Valley. Et donc, on voit que cet écosystème-là, il a toujours avancé avec pragmatisme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pragmatisme, ça l'a amené à devoir résoudre des problèmes. Mais des problèmes qui, cette fois-ci, développaient plus ou moins une expertise de développeur et devaient faire appel à des concepts de recherche. Et donc, avec le développement des différents protocoles à blockchain et leur adoption, des nouvelles problématiques sont apparues. Les premières, c'est la scalabilité, bien sûr, la complexité grandissante de chaque protocole. Et ces problématiques-là, on s'est rendu compte, au fur et à mesure de l'expérience, que, un, on ne pouvait plus faire du dernier retry parce que un fork pouvait coûter très cher, entre guillemets, donc l'amélioration des protocoles même devenait de plus en plus difficile. Et deux, les problèmes fondamentaux, finalement, que découvre Vitalik avec le trilemme des blockchains et d'autres, et c'est pas le seul à avoir vu ce problème-là dès le départ, mais tous ces problèmes-là dépassaient finalement juste la logique d'améliorer le code tel qu'il est, ou de faire des petits fixes de code. C'était vraiment toute une nouvelle logique théorique qu'il fallait adopter, et donc trouver des solutions qui demandent peut-être un peu plus de background académique. Et donc on a vu une logique académique même commencer très rapidement pour combler aux problèmes de ces développements, avec des structures décentralisées comme Bitcoin Core, l'équipe de Green qui est plus récente, le Monero Lab. Donc ça, c'est des structures décentralisées qui vont plus ou moins publier, évaluer, essayer d'implémenter des systèmes, etc., pour améliorer les protocoles, mais toujours de manière très théorique, en partant vraiment de la théorie pour après tenter dans la pratique de les implémenter, ou des structures plus centralisées, comme Blockstream, comme l'Ethereum Foundation, ou même comme Consensus, plus ou moins, dans une certaine mesure. Et donc, on a une logique qui est similaire à celle du monde des normes
et du système académique. C'est-à-dire que dans le monde des normes, comme pour les normes Internet, les RFC, il y a tout un système de publication, d'évaluation et d'implémentation. Et dans le monde scientifique, il y a du peer review, il y a ce genre de choses également. Donc on se rapproche de plus en plus, pour les améliorations de ces protocoles et pour les nouveaux protocoles, d'une logique académique. Et de ce fait, les deux mondes se sont forcément mélangés, vu qu'en plus, à l'origine, il y a déjà énormément de chercheurs dans ce milieu. Donc ce qui est intéressant, c'est que les cryptos voilà, sont vraiment à la croisée du développement, d'une part, donc l'aspect pragmatique des choses, et l'aspect protocolaire, qui est lui généralement plus théorique. Et donc finalement, on voit là, assez récemment, et c'est là où je vais rentrer un peu dans quelques innovations, on voit apparaître des nouveaux protocoles, d'autres innovations issues du monde de la recherche directement, avec par exemple Tezos qui a été développé en grande partie par les gens de l'INRIA, à Berkeley on va voir Coda ou Zcash qui a été codé en grande partie, à Stanford on a Bloom, Stellar ou Filecoin, alors pour dire rapidement les innovations qu'ils peuvent apporter. Il y a Tezos qui va permettre d'avoir un protocole qui est toujours à jour dans le sens où les nœuds peuvent autocompiler ce qui se passe, qui peuvent autocompiler la gouvernance qui est on-chain, c'est-à-dire que en gros les propositions sont directement faites sur la chaîne Tezos, validées par les gens du réseau et implémentées directement dans les nœuds. Donc ça c'est une innovation pour tenter d'aller contrer le problème de l'upgrade finalement, où on a des soucis parfois avec les forks. Il y a Zcash qui a implémenté bien sûr les ZK-SNARK, donc les preuves à divulgation nulle dans les crypto-monnaies pour avoir des crypto-monnaies totalement anonymes. Et donc potentiellement plus tard avoir des preuves d'exécution des contrats totalement anonymes aussi, ça permettra un d'avoir des contrats et deux peut-être de les scaler. Il y a Stanford avec Bloom, Stellar et Filecoin qui essaie de mettre en place du stockage décentralisé. Il y a le MIT avec Enigma, avec Algorand qui essaie de qui fait notamment du pure proof of stake qui a été plus ou moins fondé par Silvio Micali qui est un chercheur qui a gagné les trois plus grands prix en informatique, en cryptographie et en ingénierie. Donc finalement on a vraiment un mélange de ces deux mondes qui est en train d'apparaître et qui va permettre de trouver de nouvelles solutions. Alors bien sûr, j'ai fait une autre liste, on voit qu'il y a différents acteurs. J'ai mis Blockstream parce que Blockstream finalement est presque en soi un labo de recherche, vu que c'est quasiment que de la R&D, même s'ils font bien sûr aussi des services à vendre, mais ils ont mis énormément de temps à commencer finalement à commercialiser de manière pure et due à leurs services. Et ceux qui ont plus ou moins inventé le Lightning Network, même si maintenant c'est plus Bitcoin Core qui va s'en occuper, ils committent encore beaucoup dessus. On en parlera tout à l'heure. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tout cela, en plus, rentre dans le savoir commun de l'écosystème, finalement, parce que c'est majoritairement open source. Alors là, je crois que, par contre, dans ce que j'ai mis, EDRH Graph, à ma connaissance, n'est pas open source, mais tout le reste est open source, et donc ça contribue, bien sûr, à améliorer tout l'écosystème. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? C'est, je pense, que les prochaines années, vont permettre une accélération du développement des protocoles et de solutions concrètes, là où on bloquait sur quelques problèmes précis, comme par exemple la scalabilité qu'essaie de résoudre Ethereum, on en parlera tout à l'heure, je pense. Il y a un retour du monde de la recherche dans le pragmatisme de l'ingénierie qui était un peu perdu finalement, et ça c'est très intéressant parce que ça peut peut-être bénéficier à tout le monde de la tech, parce que les standards universitaires sont beaucoup plus avancé que les standards du développement actuel. Et enfin, ça apporte des investissements massifs dans la recherche grâce à un écosystème plutôt riche et qui n'hésite pas à mettre les moyens quand il a besoin de résoudre une solution. Et ça, c'est encore un très bon point parce qu'on sait à quel point la recherche peut parfois souffrir de ces financements. Et là, c'est des financements qui sont parfois théoriques sur des sujets très complexes qui n'avaient pas accès forcément à beaucoup de financements. Donc je pense que ça peut être que positif, finalement, de se retrouver avec ce mélange des deux mondes et d'avoir un monde à la fois très universitaire et très pragmatique avec beaucoup d'ingénieurs. Donc c'était surtout ce point-là que je voulais mettre en avant ce soir, c'est ce mélange qui se fait de petit à petit, de plus en plus, entre les ingénieurs, les développeurs et les chercheurs. Merci.